Oh, Sonia, songe. Ah, pas en forme. Pour toi, pour une balle. Et si tu es là, jamais, Saint-Domingue d'arriver. Port-au-Prince, Saint-Domingue. Où est-ce là? Pour mal l'hôpital, Henri. Machette tandem, Kounia, ou pas besoin ni Port-au-Prince, ni Saint-Domingue, ni même États-Unis pour résoudre problème de la santé. L'hôpital Notre-Dame ouvre pour les bien grand Berjo et la paye bon service pour toute qualité maladie. Que ce soit des cas de médecine interne, chirurgie, pédiatrie, obstétrique et gynécologie, urologie, l'hôpital Notre-Dame, c'est plus bon référence là. Gain laboratoire médical, bloc opératoire, pharmacie, endoscopie digestive, ça la game dans Port-au-Prince. C'est bien, oui. Menem. Kounia wa pale. Mes amis, pour tout problème santé, allez Kounia dans l'hôpital Notre-Dame, sur route nationale numéro 2 Berjo, à côté de lycée Claudie Muson. Ou bien, relayez-nous dans 3731 1348. Hôpital Notre-Dame SA, la santé à votre portée. Tout le monde qui branchait Télé La Brise dans le moment ça. Bienvenue à nous tous qui branchait émission Causer Santé. Causer Santé, c'est une émission que staff l'hôpital Notre-Dame pote pour la caillou pour le pote pour santé conseil sur santé physique et santé financière. Pas oublier que nous dit c'est l'hôpital Notre-Dame, ce qui fait que évidemment nous gagnons conseil que n'a pote pour sous comment doit qu'embé tête en santé parce que faut quoi l'hôpital, faut qu'on fait bilan santé. Mais en même temps, tout l'hôpital Notre-Dame, c'est une société anonyme. Donc, ce qui fait que du même coup, la pote conseil tout pour vous sur santé financière. Donc, non pas M. Joséphine, qui a pote émission à vous. Nous avons avec nous deux invités. C'est Dr. Vian Chilov et Eddie G.I. Donc, deux personnes qui vont parler avec nous en termes de conseils que vous pouvez pour nous sur santé physique et santé financière. Mais juste avant, il faut nous remarquer un bagage. C'est vrai, dans la réalité, nous, d'ailleurs, disons, dans la réalité éducative, nous toujours, alors nous remarquons que la santé financière, il n'y a pas fait trop parler de lui. L'un dit santé financière, un dit plutôt éducation financière. Donc, il n'y a pas fait éducation financière, jeune, depuis l'école jusqu'à Kounia. Ce qui fait qu'un pile monde toujours questionné sur question investissement, sur question dépenser l'argent. Certaines fois, il n'y a pas une attitude ou du moins ce comportement qui est approprié avec. Méthode mode de vie ça yo. Donc c'est parce que éducation financière nous pas faite. Eh bien quitte me dire que émission ça nous porter pour ça même. Donc c'est une émission que nous pral faire sous antenne télévision dans ville là, ou pral garder li, ou attendre li dans radio, ou mettre branchez ou pour tendre, ou chita pour garder, ou chita pour tendre parce que c'est une émission qui pral porter en pile conseil pour. Mais juste avant que nous rentre dans les détails, n'a propose n'a tourné d'aller. Oh, Sonia, songe. Ah, pas en forme. Pour toi, pour une balle. Et si tu es là, jamais, Saint-Domingue d'arriver. Port-au-Prince, Saint-Domingue. Où est-ce là? Pour mal l'hôpital, Henri. Machette tandem, Kounia, ou pas besoin ni Port-au-Prince, ni Saint-Domingue, ni même États-Unis pour résoudre problème de la santé. L'hôpital Notre-Dame ouvre pour les bien grand Berjo et la paye bon service pour toute qualité maladie. Que ce soit des cas de médecine interne, chirurgie, pédiatrie, obstétrique et gynécologie, urologie, l'hôpital Notre-Dame, c'est plus bon référence là. Gain laboratoire médical, bloc opératoire, pharmacie, endoscopie digestive, ça la game dans Port-au-Prince. C'est bien, oui. Menem. Kounia wa pale. Mes amis, pour tout problème santé, allez Kounia dans l'hôpital Notre-Dame, sur route nationale numéro 2 Berjo, à côté lycée Claudie Muson. Ou bien, relayez-nous dans 3731 1348. Hôpital Notre-Dame SA, la santé à votre portée. Nous retournons après pause là, ma problème même qui fait brancher que vous suivez Causer Santé. Causer Santé est une émission qui fait sous initiative staff l'hôpital Notre-Dame. J'aime ça tout l'italien. Je dis à nous parler d'une série bagay, disons un comportement, une attitude peut-être que nous avons gagné, qui qu'on empêche que nous réagissons dans certaines situations. Mais ça vient de penser nous, de l'esprit nous. Je dis à nous parler de paradigme. Nous allons parler de paradigme et en pile l'autre bagaille qui est lié ensemble avec lui. Donc, j'aime te tout à l'heure, nous avons avec nous Dr. Vian Chilov qui va parler sous ça pour nous et nous avons DJI. Qui t'aime présenter nous, Dr. Vian? Dr. Vian, ah, ou c'est Chilov Vian, c'est ça? C'est ça, même. Ok, ou c'est chirurgien de profession? Oui, c'est ça, Joséphine. Bonjour, bonsoir, mon télé La Brise. Nous comptons avec nous la émission spéciale ça et côté que nous parlons de causer santé. Oui. Okay?
Non, pas moi, Jean-Joséphine Dier, c'est Dr. Vier, moi c'est chirurgien, moi c'est PDG, Hôpital Notre-Dame SA. Donc, nous allons passer un petit moment. Ok, merci Dr. Vier, et j'espère que Dr. Vier a apporté un pile conseil pour vous amis téléspectateurs. Nous. Et nous avons avec nous tout, j'aime ça dire là, Eddy Géry. Bonsoir Eddy. Bonsoir Joséphine, nous allons profiter pour nous d'abord saluer. Spectateurs, téléspectateurs, spectatrices, sous affaire santé. Moi-même, pas tellement parler de santé physique, mais plus de santé financière. Alors, je rappelle nous que Eddy, c'est trésorier et conseil d'administration dans l'hôpital Notre-Dame SA. Yeah, trésorier et membre fondateur. Ok. Donc, nous avons deux gros mouns à là aujourd'hui avec nous qui pourraient parler nous de paradigme et on sait de aspects qui lient avec paradigme. Et pour nous commencer, je vais aller directement sur Dr. Vier pour me demander, pour expliquer nous un peu qui ça qui paradigme. Ok. Paradigme, c'est tout ça que vous avez à titre d'exemple qui va servir comme modèle après. Et qui niveau paradigme va manger? C'est-à-dire que qui côté paradigme nourrit dans le cerveau, nous, c'est partie subconsciente. Parce que le cerveau, nous, il y a deux niveaux. Il y a un niveau conscient, il y a un niveau qui est intelligence, qui est tout différents types d'intelligence qu'on connaît, qui est, que c'est l'intelligence logique ou mathématique, l'intelligence et artistique, l'intelligence par rapport à une situation que tu as fait pour nous courir ou même qu'à analyser calmement. Donc, chaque type d'intelligence. Et intelligence ou bien conscience, c'est l'idée de faire question ça que vous posez la plupart de monde dans le monde, comment là yo qui en vie riche et bien ouais presque 100% monde levé mais yo pour dire dans mais ça. OK? Ou bien les poser question dans l'autre sens sur OK. Finalement vie ça ou gain l'argent c'est problème ou pas gain l'argent c'est problème. Et bien yo tout qui est là deux problèmes dans ta gain. Gain l'argent ou pas gain l'argent. Et bien on rend compte que plus fort monde dans rien gain problème. Gain l'argent. Mais par contre, on va rendre compte la statistique que c'est à peine 97% monde, alors pas à peine, c'est tout 97% monde qui finalement fait le contraire de désir ça que vous te gagnez pour te gagner l'argent. Donc c'est 3% monde à peine dans mon nom qui réussit rêve ça pour te que vous êtes riche. Donc consciemment quand vous bagage conscience ou réfléchir, mais subconscient juste pour agir, j'en crois. En fonction de tout modèle que je gagne, en fonction de tout exemple que je gagne, et en fonction de l'exemple de mon ensayo, il est allé dans la direction. Donc subconscient, l'immobilier de qui ça? De définition, question se pose, mais de paradigme. Conscience, c'est intelligence, c'est réfléchir. Subconscient, c'est pas réfléchir, l'agir. Il faut des réflexes qu'on a doué gagner. C'est-à-dire, un monde qui est un élément de classe pauvre ou un monde qui est de classe moyenne, il y a des réflexes. Un pauvre, il y a des réflexes de classe moyenne. Et quand on s'ouvre les changer paradigme, s'ouvre l'alimenter subconscient ou l'autre genre, ou besoin, by subconscient l'autre exemple, by subconscient l'autre modèle. C'est-à-dire, by subconscient l'autre paradigme. En d'autres termes, nous sommes capables de dire que le paradigme, c'est une manière de voir les choses. C'est une façon que nous-mêmes nous voyons. Justement, son façon de voir, mais il pas même c'est à partir de l'analyse. Son façon de tout entourage voir les choses qui influencent sur vous et vous voir le même genre. Sans qu'on va même analyser le même des fois. Donc, une manière de voir les choses en fonction de son temps, de son ouais, de habitude. Donc, ça, il y a un générateur de paradigme. Ok. Ça. Est-ce que par là nous a dit que un paradigme qui est positif? Gain qui négatif. C'est n'a défini paradigme en fonction de exemple ou modèle qui est ancré dans le subconscient qui faut agir en gens. Donc, nous avons dit, gain un modèle qui est ancré dans le subconscient qui faut toujours agir de telle façon qui est positif ou bien qui faut agir de telle façon qui est négatif. OK, ce qui veut dire pour subconscient agir en fonction de paradigme ou gain, au moins faut paradigme le positif. Ça veut dire faut qu'on toujours faire subconscient ouais. Donc que le positif que le négatif, ça subconscient habitué à la faut faire, la matérialiser le goût. Parce que il pas réfléchir l'agir. C'est-à-dire subconscient mais non côté ouais.
quand on imagine là à son habitué à la maison là. C'est pour ça que vous voulez faire route par exemple richesse. Ou supposé commencer à habituer sur quoi soit ça. C'est-à-dire, il faut le monde qui réussit, il faut le monde qui fait succès pour ce qu'on soit web modèle là. Ou bien, il faut que ça te grade, commencer à rencontrer le monde qui réussit, commencer à rencontrer le monde qui fait succès. Ok, donc je pense que. Si Edith l'a ajouté au bagage. Ça m'a ajouté là-dedans, c'est que je pourrais sortir dans une famille intellectuelle. Ou bien famille politicien, ou naturellement, par contre, pour qui ça, ou un même bagage intellectuel, ou un même bagage politicien. C'est même gentil, ou bien doit sortir dans une famille classe moyenne, intellectuelle, ou bien une famille pauvre, et puis, ou bien toute manie, c'est-à-dire toute habitude, monde pauvre, toute pensée, monde pauvre, ou bien monde classe moyenne. Non. Ça veut dire, si on a parlé de classe moyenne, classe moyenne, mais fait ouais. Et puis, on rend compte que, ouais, mais fait ouais. Tout ça, faut faire pour mon ouais. Faire pour mon ouais. Nèg riche là, les mêmes, les bagages, les deux, fait personne ouais. Quand il y a petit lui, monde qui levé autour de lui, ça n'a pas intéressé de faire mon ouais. Ça qui intéresse lui-même, c'est faire business. Personne n'a pas même besoin à l'enseigner ça à l'école, où elle fait business, elle fait succès là-dedans, parce que l'idée, mon riche là, déjà, dans le subconscient. Il n'a pas imaginé lui-même qui n'est pas riche. Est-ce que nous avons dit tout que le paradigme les fonctions tout de l'éducation et de recevoir? Justement. Au fait, c'est ça, justement. C'est-à-dire que le modèle éducatif que nous avons, il vient préparer nous tous pour l'académique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on lit, il faut qu'on écrit. Ou bien le préparer pour le professionnel. Il faut apprendre un métier. Médecine, ingénieur, secrétariat, infirmière, etc. Mais, gon éducation n'est pas bail. Qui c'est éducation financière, j'en t'ai parlé dans le commencement de l'émission. Quand il y a éducation financière, là, vient une question de béton. L'éducation financière vient faite sur le tas. C'est-à-dire, modèle ou des financiers qu'on voit devant yo, c'est modèle financier ça que subconscient qu'a reproduit. Et c'est lui qui vient reproduire. Si vous ne levez pas, ou est-ce qu'on a investi, ou pas levé, ou est-ce qu'on a construit business, eh bien, ou pas qu'on a investi, ou pas qu'on a construit business. Si vous levez, ou est-ce qu'on a à l'école, cherche un job, travaille à mon 20 ans pour faire comme, ou bien ouvrir un cabinet, ouvrir pour un petit business, bah, yo, te dégager, c'est-à-dire vendre encore temps pour faire comme, eh bien, ces modèles sont reproduits. Donc, ce qui fait que, normalement, dans l'éducation, nous, on est supposé penser à faire jeune, penser à l'autre genre. Est-ce que vous pensez que nous avons réussi comme ça? Parce que si vous dites que la projection que nous gagnons, c'est pas nous obligé de reproduire. Parce que c'est l'inoué. Mais qu'on a comment nous avons retiré ça, la caille jeune, pour au moins reproduire l'autre là? Ça, c'est un bagage qui est essentiel. Pour qu'on reproduire, il faut qu'on ait qui fait expérience, qui enseigne. Il a enseigné sous forme l'école, il a enseigné à partir d'émissions radio, à partir d'émissions télévision, parce que il faut qu'il fasse. Tant que nous avons une éducation financière en Haïti, on a toujours un petit groupe très réduit, peut-être moins de 1% de monde qui est riche en Haïti, et puis 99%, peut-être on a 3%, 10% qui est dans la classe moyenne, qui a fait mon ouais. Qui a acheté belle machine, qui a acheté belle rad, et qui a fait mon ouais. Et l'autre jour, je me suis dit, docteur Via, nous avons une réunion, assemblée générale, un business que moi, j'ai action là-dedans. Je me suis regardé, tout monsieur, classe moyenne, qui est très bien costumé, qui est actionnaire, ou bien employé, qui est bien costumé, et je me suis regardé, tout gros nègre riche, qui est actionnaire, qui est cool. Si je fais mes yeux sur yo, il n'y a pas besoin de tout bagage ça. Parce que nèg ça n'a pas besoin d'habiller pour le faire mon ouais même. Parce que son bagage qui part dans la pensée. Mais l'heure ou pas riche, ou bien son nouveau riche, première préoccupation, c'est faire mon ouais. Et en pile monde fait échec dans ça. Nèg la commence son petit business, mais elle a tellement besoin de faire mon ouais. Et les gaspiller lui. Et puis après ça, doit business pas bon. Et puis ou même qui proche nèg ça. Ou
qui sort du tout. Ah, moi, je ne vais pas jamais faire business, je ne vais pas jamais investir parce que business n'est pas bon. Donc, ça, c'est des images que nous avons supposé commencer pour tirer dans la société, nous, juste pour capable générer de, disons, des paradigmes positifs. Oui, tout passe par une nouvelle éducation. Yeah. Côté que, pour nous connaître, il faut passer le temps pour nous appeler les gens qui réussissent dans le secteur qui couvre impliqué là-dedans. Dans le rêve. Chaque monde des rêves, chaque monde des bagages dans le pays qui nuit, chaque monde des bagages qui fait mal, que tu as aimé changer. Maintenant, désir ça qui prend naissance dans le monde, qu'on y a là, on va commencer à lire sur le monde qui fait pas courant déjà, on va commencer à lire sur le monde qui grandit déjà, le monde qui est riche déjà, on va laisser changer le groupe de amis, commencer à gagner notre ami qui pensait même déjà avant, qui voulait aller. Et puis, si tu es conscient, automatiquement, on va voir l'image ça, et comme les well, on va le faire, on va le reproduire. Ok? Ok, c'est intéressant. Et on vous fait brancher la télévision La Brise, je vous rappelle que vous suivez Causer Santé, une émission qui fait sur initiative Staff l'Hôpital Notre-Dame. Et comme invité aujourd'hui, bon, je ne vais pas dire invité parce que c'est même staff là encore qui l'a. Donc c'est Dr. Vian qui est PDG et l'Hôpital Notre-Dame SA et Eddie G.I. qui est membre fondateur et trésorier dans l'Hôpital Notre-Dame SA. Donc, je dis, on a parlé de paradigme et tout ça qui lie ensemble avec paradigme. Mais nous, dans l'hôpital, moi, ça qui lie avec paradigme, dans l'hôpital, là, c'est lui-même. On va laisser, ou comment, nous avons plus d'explications sur lui. Parce que c'est vrai que l'hôpital Notre-Dame, SA, c'est un hôpital. En même temps, c'est une entreprise parce que c'est une société anonyme qui lie. Et comment nous comprendre, les gens qui toujours dit que l'hôpital privé est cher? Parce que l'hôpital Notre-Dame, c'est vrai, son hôpital, il a pour le bail service, il a pour le bail soins de santé, mais en même temps, son entreprise. Donc, est-ce que pas de monde qui va dire que l'hôpital Notre-Dame est cher? Ok. Au fait, moi-même, l'homme dans le pays sous-développé, nous ne pouvons pas dire santé cher. Parce que pourquoi on a pris santé vraiment dans le pays sous-développé dans Haïti? Au point que l'Europe prend une série d'institutions, soit suivie, surtout à l'international, on ne peut pas vivre dans une série de grands pays sans assurance médicale. Parce que le prix santé tellement coûté cher dans le pays yo, que si vous n'avez pas assurance, vous n'avez pas réussi. Et malgré ça, vous rendez compte que quand vous pour les États-Unis, que la facture médicale, c'est-à-dire parce que vous avez un malade, vous avez une femme malade, ou vous êtes malade, la facture malade, pour le faire que généralement vous faites beaucoup, vous pouvez ou décapitaliser pendant longtemps. Haïti prio pas vraiment pas haut santé. Mais pas oublier que nous toujours pensons que depuis c'est l'hôpital privé, c'est l'hôpital qui cher. Bon, le fait que l'on s'est sous-développé, oui, on va le penser, le fait que on pas gagne le travail, que c'est difficile pour nous déjà gagner. Donc les potes prix paraît cher. Mais deuxième raison, c'est paradigme là. On voit que assez souvent début d'année tout on a dit bonne santé. Mon cher, même si pas gagner d'autre, ça plus important c'est santé. Tout le monde a prévu ça. Quand on a regardé la dépense en famille, mais qui a dépensé moins tout, c'est santé. C'est le bail moins importance. C'est-à-dire que maintenant, nous-mêmes, paradigme, nous servons, nous faisons que je nous pense. Mon cher, bon suivre, c'est bien problème toujours. C'est le grave net ou le cas docteur. Pour l'hôpital. Donc, en plus, il faut avoir une série de complications en Haïti qui n'ont pas gagné le livre encore. Pour qui ça? Parce que nous avons un docteur de l'autre côté, puis bonheur. Nous-mêmes, nous retenons. Deuxièmement, en matière de santé, il y a une prévention plus bon que ce qu'on va chercher à guérir. Mais ça veut dire prévention. Il faut faire un bilan de santé. Combien de gens qui ont fait un bilan annuel de santé, qui chaque année au moins checker comment l'état de quoi il est. Nous ne pouvons pas faire. Vous comprenez? Et le troisième paradigme qui gagne, c'est que nous pensons tout que prestataire de soins, les gens qui ont bonne santé, semblent c'est sacerdoce. Semblent ça a fait pas travail. C'est comme si c'est aider sans rien en contrepartie. Mais pas oublier que et santé, donc santé est vitale. Donc son monde vient de l'hôpital. Hein? Son monde vient de l'hôpital, donc il faut le joindre soin. Oui, donc, la vraie soin. Même si on a estimé que l'hôpital l'a cher. Soin pas caché.
Mais, j'aime ce que tu as dit là, le fait que santé est vital, je veux dire, il crée une équipe émotion. Et émotion, ça le crée la caillou, le personnel doit créer avec tout le monde. Alors que le monde qui vient à l'hôpital, là, c'est son hôpital privé, il y a d'autres émotions qui traversent. Émotion, d'un coup, qui j'ai le droit de faire pour payer les fournisseurs. Émotion, côté, qui j'ai le droit de faire pour payer tout le monde qui travaille. Émotion, comment elle va acheter des médicaments pour le bail service. Émotion, t'as qu'on loyer car elle a trois bouts qui se la payer. Mais dans ce sens là, nous voulons faire comprendre si on a une urgence et puis il vient à l'hôpital là, donc s'il n'a pas de comme il n'a pas besoin de soins. Bah, qu'a dit ça et s'il vient assurance. Non, mais. Mais imaginez qu'on a une urgence, qu'on a une comme la poche et puis parce que l'hôpital là, taper des bails services gratis, d'obliger fermer. Parce que les bois faire service gratis, on va fermer. Qu'on a imaginé le fermer. Qu'on a même pour ça, vu bien comme pour nous. Et puis, il a cherché soin de santé. Ça l'a fait. Qu'on a ou fermer. Mais l'hôpital qui bail mon soin en urgence, même si on parle comme là. Bon, pas rien à qu'un hôpital qui bail soin gratis. Ça veut dire, mon qui malade là, c'est pas lui payer. Mais il y a des gens qui payent. Et il y a un point qu'on a voulu faire nous remarquer. Tout en temps, il y a des soins chers en Haïti. Vous connaissez, les gens dépensent plus dans l'éducation que dans les soins. Les gens dépensent plus dans manger que dans les soins. Parce qu'il faut manger chaque jour. Il faut qu'on boive de l'eau chaque jour. Bon, c'est prévention toujours. Il faut qu'on voie les gens dans l'école. Mais si on regarde peut-être dans un. Un budget famille haïtienne ou bien bilan dépenses côté dépenser plus ou après c'est pas dans santé ou après pas dans santé ou dépenser plus mais le fait que tout on a dit santé cher santé cher santé cher il est pas arrivé santé cher c'est ça que fait faut que tout le monde ait assurance mais santé a dit produit santé à cher produit cher ça veut dire l'or fond l'hôpital. Il y a tout un, faut qu'on ait salle d'opération, faut qu'on ait radiographie, faut qu'on ait tout équipement ça yo. Ce qui veut dire comme si on t'a dit qu'on y a nèg qui fait équipement, compte tenu santé son bagage vital, mon chef fait mon cadre équipement yo. Ou bien moun qui a vendre moi caill là, pour me dire mon chef santé son bagage vital, c'est cadre pour faire mon cadre caill là. Et bien employé qui travaille yo. Est-ce que m'bral di yo son bagage vital santé non pas capable bailler. Alors, travail gratis. C'est des paradigmes que vous avez. Un monde est dans le monde dit ça, un monde l'autre monde dit, et puis dit tout. Mais au fond, ce n'est pas vrai. Eh bien, dans le cas ça, est-ce que vous avez fait une différence pour nous à l'hôpital qui est gratis et ça qui pas gratis? Bon, premier, ça ne me pas rien qui est gratis. Au cas de l'hôpital, c'est le client qui paye, et pour l'autre hôpital, c'est l'autre monde qui paye pour le client. Mais il y a des gens qui payent quand même. Donc, ce qui fait que l'hôpital n'est pas gratis même. Non. C'est un point en termes de nomenclature. Au cas de privé, tant que l'hôpital est tout dans le sens, c'est l'hôpital privé. C'est-à-dire, comme les S, la société anonyme, son propriétaire, c'est actionnariat. C'est même pas bon, non, c'est actionnariat. Quand on assume l'hôpital, par exemple, d'État, propriétaire, c'est l'État. L'État assume certaines charges dans la dépense d'opération. On voit que. Les concours minima, mais n'est pas gratis. On paye des frais et l'État en contrepartie paye employé, paye peut-être achat équipement, chercher équipement. Yeah. Et vous quand vous êtes l'hôpital ONG, côté que vous avez sensation, wow, client pas rien du tout, c'est ça net. Mais ça ONG a fait avec Allemand des comme tout côté, il y a mal comme pour autant et puis les bons services là, pourtant il y a mal comme là. Et tout pour qu'on ait la dent touchée, etc. Donc, souvent, un couteau, à pile comme, sauf que ce n'est pas où tu es fourré dans la poche pour payer comme ça. Mais dans le privé, soit coûté beaucoup moins, mais c'est vous-même directement qui payez pour jouer un service. Okay? Donc, dans tous les cas, la santé chère et chère en pile, et le coût. Et quoi, doit le monde qui supporter. Ce qui est supporté, c'est ou bien ses clients. Ou bien c'est assurance, l'homme dit client, ou bien c'est assurance santé, qui paye, assurance maladie,
ou bien c'est l'autre l'État pour là qui paye, ou bien c'est l'autre l'État ou bien l'autre organisation qui a cherché à payer. Ça veut dire, si bien comprendre, donc l'hôpital pour fonctionner qui a toujours jeune comme soit de ONG, soit capable de faire des dons, ou du moins c'est l'État qui. Donc c'est des sources de financement que l'hôpital capable de faire pour fonctionner. Bon, oui, au cas, mais il faut qu'on décide si vous voulez. Si vous voulez une ONG, vous avez un statut légal de ONG qui permet que vous allez chercher comme dans le monde qui fait FD Bienfaisance. Si vous voulez faire l'hôpital l'État, bon, c'est une autre question. L'hôpital l'État, c'est l'État qui finance, mais au fond, c'est la population qui finance l'État. Ça veut dire que c'est moi, c'est la population, c'est vous qui travaillez. Qui paye pour Mounsa, qui fait Mounsa à l'hôpital général, lui fait un service sans le papier et gros corps. Il paye un petit bail quand même, sans le papier et tout ça peut-être, s'il peut le payer dans l'hôpital. Et en même temps, tout, pour qui ça d'après vous, il y a l'hôpital l'État qui est moins cher, il y a l'hôpital ONG qui est moins cher, et il y a un monde qui décide, ah, ben maintenant ça paye à Pito. Oui. Il y a une raison pour ça. Raison, c'est simple, parce que dans l'hôpital public, là, les wale, y a recevoir quand même, ils mettent au coucher son cabane, on ne peut pas qui le docteur à plat, à qui le pape là, ONG à ou bien pour faire une journée, ou pas même qu'à poser question qui sont gagnés, et ou qu'à venir demain, ou pas avoir un soin, ou pas faire un certain de qualité de soin que y'a. Par contre, dans le privé, ou gain assurance que maladie m'gain si on accepte la donne, eh bien c'est parce que on ca aider, on ca assister la donne, ou gain plus confort, ou gain plus soins. D'ailleurs ses clients c'est wallié, donc malade vient là son wallié, ça veut dire il est obligé de joindre un traitement royal parce que me veulent retourner encore. L'hôpital l'État pas tellement intéressé pour tourner encore, ONG a pas intéressé pour tourner encore. Par contre là m'intéressait pour tourner, m'intéressait pour nous l'autre monde. Ah, mon cher service là, bon et là. Et sont capables plutôt là, plutôt. En d'autres termes, nous avons dit catégoriquement que soin coûte l'argent. Soin santé coûte l'argent. Il y a plus l'argent. Yeah. C'est qui bon l'argent sorti qui est différent. Donc, on y a là, l'état bon tout. L'état bon parce que. Et les gens qui sont mieux placés pour ça, ou qui attendent ou qui regardent l'émission là, ils ont réalisé tout que l'État bon lorsque les gens viennent prendre soin dans l'hôpital public ou bien l'hôpital de l'État, pour l'État faire les gens connaissent, soin le prend, mais comme l'écoutent. Par contre, mais ça le paye lui-même, parce que la quantité qui est couverte pour lui déjà. Oui, si ça a été fait, c'était bon, parce que des côtés ont fait ça, même le pays socialiste, côté que les gens n'ont pas payé soin. Mais il reçoit un bon droit qui dit que si on saute pour t'écouter par exemple 90 000 $, l'État paye 90 000 $ ou même on paye zéro. C'est-à-dire qu'on connaît. Si on n'a pas jamais la tête que penser que soin est gratis. Contrairement à ici, parce que par exemple, l'hôpital ONG que nous avons qui paye soin gratis, par exemple, la l'emporte à piment exemple, l'OA le bon soin gratis. Donc, pour toute infrastructure, tout le monde qui l'a, si vous ne voulez pas faire analyse, trop loin, vous pouvez penser que vous avez toujours, en tout temps, un bon groupe monde qui réunit, qui cherche tout, et sereine que vous ne pouvez pas faire cadeau, c'est acheter pour acheter. Vous cherchez tout ce que vous avez, tout médicament que vous avez, vous cherchez tout personnel, etc. Louer espace, et puis vous pensez que vous avez gratis quand même. Non. Ça veut dire même si tu as un matériel sous forme de don, même si c'était pas tu as investi pour l'hôpital l'a fait, soin pas gratuit. Il est habitué faire l'état cadeau l'hôpital lui. Gros l'hôpital, au moins trois l'hôpital de faire l'état cadeau qui peut pas fonctionner tout équipé. Parce que même le matériel là comment l'a fonctionné. Faut faire des postes d'opération. Faut avoir une génératrice, deux génératrices, trois génératrices, un panneau solaire, deux panneaux solaires. C'est pas bien fini. Faut avoir un inverteur, et ainsi de suite. Ok. Donc, faut avoir un pédiatre. Faut avoir un gynécologue. Faut avoir un chirurgien. Faut avoir un appareil. Et les appareils européens, il y a un carangé ici. C'est obligé de chercher le pays pour aller manger. Ou bien c'est réacheter. Obligé de faire changer l'équipement pour un petit panneau.
OK, donc on pense que tout le monde attendait là, il y a suivre et pas oublier que on va suivre Causer Santé une émission qui a fait sur initiative Staff l'hôpital Notre-Dame et pour me faire suite à série de questions ça qui vient pour objectif informer population de santé. Donc informez-nous, éduquez-nous, dès qu'a dit tout, conseillez-nous tout sur santé physique et santé financière et m'a posé question ça m'a plus aimé poser Dili parce que c'est lui trésorier poser l'argent lui même qui c'est lui qui moi l'argent. Donc n'a parlé de sources de financement l'hôpital on l'hôpital qu'a gagné mais l'hôpital Notre-Dame lui même côté de l'argent pour le fonctionner. Nous même en tant que société anonyme c'est non pas ONG non pas l'hôpital d'État non c'est un business source de financement nous sorti dans actionnaire. Chaque monde qui contribuait, qui achetait action. Et Mounsa, c'est eux-mêmes qui permettent que nous commençons l'hôpital là à cause de l'investissement que nous faisons. Et puis, nous gagnons une source de financement, monde qui vient prendre soin dans l'hôpital là. Tout. Certes, vous pouvez joindre même d'appauvrir, nous avons des organisations, ça a fait un cadeau, quelques cabanes, ça a fait un cadeau, mais vous ne pouvez pas joindre un don. Ou t'as besoin ni comme ou t'as besoin pour t'as faire l'hôpital établir l'hôpital ou bien faire l'hôpital fonctionner avec monde qui a fait un cadeau. Mais normalement l'hôpital Notre-Dame là il y a un an de fonctionnement pas vrai? Yes. Donc disons pour aller un an, c'est ça? OK. Donc après un an, deux ans, trois ans, est-ce que c'est toujours actionnaire qui a toujours source de financement? Non, alors ou pas bon. Pour moi, même exactement ça, il dit, source de financement veut dire côté cash ou sorti. Côté cash la sortie, c'est deux choses. Il y a activité société, hôpital Notre-Dame qui a 20 actions. Côté que business par société a 20 actions, c'est chercher actionnaire, c'est être actionnaire en confiance. Mais actionnaire a acheté action là qui but. C'est le but pour faire profit. C'est-à-dire que lorsqu'on ouvre une société, lorsqu'on commence un business, les 5 premières années, pour les ouvrir, pour les étendre, pour les chita, c'est en partie source de financement actionnaire. Mais après ces 5 années, actionnaire, il y a pour attendre que vous commencez à recevoir profit, que vous commencez à recevoir dividende. Mais l'offre en société, deuxième ça qui est source de financement, c'est que la société a une activité. Société Hôpital Notre-Dame, activité parle, c'est l'Hôpital Notre-Dame. Et l'Hôpital Notre-Dame qui berge au bon côté du lycée Claudie Musoa, la bail service. Service li ba yo gen moun ki vin pran yo li fè service endoscopie li ba service électrocardiographie li ba service sonographie li ba service en laboratoire qui très équipé côté ka fò maximum d'examen OK que c'est pour enzyme cœur foie pancréas et rein que c'est pour garder si moun a fait attaque tumeur que c'est prostate que c'est ovaire que c'est étude digestive. OK, si vous avez un problème hormonal de glande thyroïde de peut-être et glande surrénale, donc à tester tout ça glande et ça dire les hypophysaire. OK, donc à tester tout ça là, nous gain pharmacie nous et là 40 jours maximum nous pensons d'avoir une radiographie qui va commencer l'opération de là qui commandé qui est en route. OK, donc service ça yo le client vient pour lui et nous hospitaliser mon là et nous opérer nous faire tout type d'opération ici hein. Donc qui fait que monde qui vient pour service ça tout de payer pour service ça son paiement pour service ça son deuxième source de cash qui rentre qui vous permet de faire face à dépenses d'opération à dire dépenses pour faire boîte là fonctionner pour faire l'hôpital là fonctionner et qui plus tard supposé faire que actionnaire content. Donc, ce qui fait que l'hôpital Notre-Dame SA, même si tout le monde entendait son nom, l'hôpital Notre-Dame, donc c'est une société anonyme avant tout, donc il campe tout en pour une grosse entreprise, un business, j'aime bien dire dans le langage noir. Donc, c'est un business qui gagne pour principal objectif, faire l'argent. Parce que c'est toute entreprise. Faire pile l'argent. Yeah. Et puis faire un pile l'argent dans la santé. En même temps, nous comprenons que pour me faire un pile l'argent, il faut que plus de monde qui vienne. Pour plus de monde qui vienne,
faut que moi baille meilleure qualité de service qui existait sur le marché. Parce que si je ne baille pas bon service, c'est mon travail. Quand ONG, quand l'hôpital d'État, où on vient, on fait une journée, on attend pour recevoir, chaque fois aller où on l'autre docteur. Et c'est normal, là, ça m'a perdu l'investissement. Mais est-ce que nous pas inquiets tout par rapport avec conseil question qu'on a posé qui dit mais l'hôpital ça l'argent seulement là pour le faire pas là non. l'hôpital ça cher il y a toujours prend l'argent dans mes donc c'est pour l'hôpital vrai son business qui là pour faire l'argent mais nous est-ce que nous pas inquiets par rapport avec non. Question ça au cap développer le monde qui capable monde qui besoin bonne santé a pas chance poser question ça parce que ils comprennent parce que pour lui-même pour le gagner l'argent il un service que le vend. Pour le quoi là, il connaît tout bagaille ou a fait pour venir un bail de qualité là-dedans, gagner un cob pour dépenser. Donc nous ca dit que ça relève toujours de paradigme lorsqu'on croit que les à l'hôpital il paye un paquet l'argent son crime. Mais certainement. Monde qui connaît on pas dit ça. Monde qui connaît on connaît ça le faire. Il prend assurance santé. Ou bien payer. Un par exemple, un monde qui connaît la sud. Bon, seule catégorie, exemple. Qui a besoin de colonoscopie, il faut une endoscopie pour faire un cancer en bas, il a besoin de un cancer en bas. Vous voyez? Il a un hémorroïde, il a un cancer plus haut. Mais pour le faire, il faut prendre une machine pour le Port-au-Prince. Ou bien de l'autre côté. Parce que le service est disponible là, qui ça le fait? Qu'il est toujours disponible pour ne pas obliger à le Port-au-Prince. Mm-hmm. Ou bien. Pendant là que l'utiliser la vraie la craser. Parce que si l'utiliser le gratis, la craser. Équipement, ça, il a modernisé. Dernièrement, je vais changer ma RSC de mec. Gastroscope là. Le mal changer, le mal acheter l'autre. Je me dis, oh, avant de ne pas couper ça, quand tu as gardé l'argent comme ça. Je me dis, non, c'est fini, il n'y a pas ça encore. Il y a toujours ici, mais il n'y a pas ça encore. C'est vidéo. Ok? Il est vraiment tout dans la vidéo, mais c'est pas ça bien. Mais demain, si Dieu veut, il va faire ça encore, non? Donc, comment on va l'acheter pour chèque à guerre? Comment on va tout dans le café disponible pour encore, même pour la studio? Bon, en pile cause, mes amis, j'espère que nous pas étonnés de ça qu'a parlé là, parce que effectivement, c'est l'organ urgence santé pour eux, quand c'était comme qu'à dépenser pour eux. Ou à l'hôpital, l'arrivée à l'hôpital, qui quand c'était comme moi pour vous dépenser en un rien de temps, sont pas même rendu compte parce que vous connaissez santé, il faut que vous gagnez, vu que vous gagnez, vous vivez en jeu. Donc, pour même qui fait brancher là, je vous rappelle que vous suivez Causer Santé. C'est Dr. Vierre, c'est Eddie J.I. qui a parlé avec nous sur santé physique, santé financière. Donc, c'est objectif émission 1. Hein? Donc, je dis à même nous voulons nous parler avec vous, disons nous porter conseil pour vous. Nous essayons d'éclairer sur cause et paradigme, sur question paradigme, une façon que nous, qu'on habitué ouais, bagayo, en fonction peut-être de ça que nous toujours ouais, de ça que nous toujours tendez, et même de l'éducation que nous recevons. Donc, nous avons l'autre question toujours pour ce staff-là, mais juste avant que nous avancions plus loin, nous proposons dans ton état. Sonia. Ah, pas en forme. Pour toi, quoi, c'est mal. Et si je suis là, Saint-Domingue d'arriver. Port-au-Prince, Saint-Domingue. Où est-ce là? Pour mal l'hôpital, Henri. Machette tandem, Kounia. Ou pas besoin ni Port-au-Prince, ni Saint-Domingue, ni même États-Unis pour résoudre problème de la santé. L'hôpital Notre-Dame ouvre pour les bien grands en Bergeau et la baille bon service pour toute qualité maladie. Que ce soit des cas de médecine interne, chirurgie, pédiatrie, obstétrique et gynécologie, urologie, l'hôpital Notre-Dame, c'est plus bon référence là. Gain laboratoire médical, bloc opératoire, pharmacie, endoscopie digestive, ça la game dans Port-au-Prince. C'est bien, oui. Menem. Kounia wa pale. Mes amis, pour tout problème santé, allez Kounia dans l'hôpital Notre-Dame sur route nationale numéro 2 Bergeau, à côté lycée Claudie Musot. Ou bien, relayez-nous dans 3731 1348. Hôpital Notre-Dame SA, la santé à votre portée. À peine branché, ma foi connaît que vous suivez Causer Santé. Causer Santé est une émission qui est organisée, disons, qui a fait sous initiative staff l'hôpital Notre-Dame SA. Donc, l'hôpital Notre-Dame SA qui est situé à Bergeau, à côté du lycée Claudie Musot. Je dis à nous parler de paradigme. Paradigme qui c'est une série de façons que nous voyons
bagayo en fonction de peut-être éducation nous de façon nous qu'on habitué wayo de façon nous observer de façon que nous contendel tout. Donc nous gagne docteur Vier qui avec nous et DJI qui parler nous qui ban nous en pile détail sur paradigme et nous plus centrer nous tout vers des paradigmes qui lié à santé à l'hôpital. Donc tout à l'heure nous dernier parler nous sommes parler là nous sommes parler de l'hôpital qui de monde qui pas t'aimer venir l'hôpital privé bon on dit l'hôpital en quelque sorte pas privé parce que depuis monde dans ville l'hôpital il toujours voulait que le jeune service tant rapide et gratuit. Donc et dit avec le docteur Vier fait nous comprendre que l'hôpital disons soins santé pas qu'à gratis et soins santé coûte cher. Donc ça c'est aspect l'hôpital là. Donc faut un monde lorsque le vient l'hôpital il qu'à payer soins que la prend parce que soins coûte cher, appareil coûte cher, infrastructure coûte cher. Donc même si on va dans l'hôpital l'état il faut payer un petit calcom, c'est parce que bon entité déjà qui est en payer comme ça ou du moins qui subventionné qui fait que ou pas payer en pile comme. Mais nous dit que l'hôpital Notre-Dame c'est une société anonyme tout. Donc si une société anonyme ça veut dire son entreprise. Donc c'est une entreprise, son business qui là pour vendre soins santé. Donc c'est comme ça business là fonctionner. C'est soins santé là vendre. Mais gagnons bagaille que bon qui toujours lié avec paradigme là que nous toujours ab dit et qui peut-être que gen moun qui dit ça pas en compte mais gen moun qui dit tout parce que tu fait une mauvaise expérience. Yo tout moun haïtien toujours dit que tout ça haïtien met main ensemble pour faire pas marcher. Tandis que l'hôpital Notre-Dame SA c'est une société anonyme, ça veut dire un pile moun met main ensemble pour que l'hôpital la kounya pral gen un an de fonctionnement. Mais est-ce que ki jan nou est-ce que pas différent pour nous? Alors ki jan le fait pas différent pour nous? OK. Au fait là nous t'a fait plan d'affaires pour nous te là nous vinn nos cahiers pour nous vinn rendre compte que tu as besoin ça besoin pour dans l'hôpital privé. OK, encore une fois on dit besoin pour dans l'hôpital privé, c'est en contrepartie à dernière phrase que dit tout à l'heure avant pause là côté que on dit waouh il grave faut gagner urgence c'était le somme rendre compte tu as plus quoi pour payer. Moi dit waouh il grave faut gagner urgence pour pas gagner service là disponible. Et c'est ma pour exemple que tout le monde connaît en de Billington. Il est mort 4 fois c'est d'ailleurs. Parce qu'il fait arrêt cardiaque 4 fois, l'opéré ou fait portage cardiaque pour lui 4 fois. Est-ce que le service est disponible ici? OK? Non? Donc, nous tous avons intérêt à encourager le type d'activité, le type de société qui vous fait que demain, tel service disponible. C'est-à-dire Notre-Dame travaille pour gagner 20 par qui gagne respirateur artificiel. C'est-à-dire, bon trauma cardiaque, on va être obligé de mourir. Bon accident fait, on a besoin de obligé de mourir. Ou de gagner un appareil à respirer pour pendant longtemps. Et puis le temps que le corps a repris nous, pour venir respirer pour le corps, et pour continuer. Donc c'est le fait que le service va disponible du bon problème. Ce n'est pas est-ce que c'est cher. Il ne faut pas être hypocrite. Ou bien il ne faut pas quitter le paradigme, ça va bloquer. C'est-à-dire nous tout à vivre, et puis si nous avons un cas, nous avons veillé vite, le questionnement nous c'est comme côté capable gratis. Au lieu de questionnement, si nous avons un cas qui est grave, est-ce que nous avons un côté de répondre? Mais par rapport avec l'aspect santé, comment nous avons expliqué, disons, la phrase ça que nous toujours avons dit qui dit que Haïtien n'a jamais réussi à aller ensemble. Là, nous venons nous avons un besoin de ça, ensuite. Pour que bon l'hôpital privé parce que pas de guerre privé à but lucratif parce que faut les rapporter pour qu'à continuer à investir pour qu'à continuer à étendre pour qu'à continuer à élargir pour qu'à répliquer modèle ça de l'autre côté dans le pays. Et ben nous dit mais qui question que tout monde toujours sorti ah deux fois expérience ça va pas marcher deux fois expérience d'investissement ça va pas marcher soit j'ai paradis blanc soit pas habitué ouais ça le difficile pour faire or dans tout pays, il y a toujours cette meilleure institution de guerre, société anonyme. Et la loi toujours protège la société anonyme de tous côtés. Donc, le problème n'est pas la société anonyme, le problème n'est pas l'investissement, le problème là, c'est nous-mêmes. Comment aborder la société anonyme, tout du comment pour aborder. Ce n'est pas seulement garder le produit de l'hôpital. Là. Nous voulons faire l'hôpital, ok. Mais ce n'est pas juste qui service tout le bail. C'est qui aspect légal.
Je ne peux pas venir, mais vite au vélo, société anonyme, hôpital Notre-Dame-S.A. Et puis, là, on part avec la réception, on garde patate là, ou un patate là, sous le docteur vient, il n'est pas société anonyme. Là, son société, bon, pas même qu'à dire société encore, son business privé. Son entreprise individuelle. Ok. Donc, ça veut dire que, il y a une cause qui fait Haïti, ça va marcher, c'est ça, il y a un aspect juridique. Ou pas besoin facile dans gros livre, il parle de ça, non, comme cause d'échec en société sous 5 ans. Parce que, il y a un peu. Dans le livre, il y a une cause d'échec en société, c'est faute de connaissances pour le cap diriger. 80% des cas. Ou bien, il y a une question de cash flow. Il n'y a pas de bonne stratégie cash flow pour les premières 5 années. Et puis, il y a fermé avant 5 ans. Mais ici, première cause, problème juridique. Il y a une équipe d'amis qui commence un nouveau business et puis on dit à régler la question légale après. S'il n'y a pas de jambes, il y a toujours des amis. Mais s'il manque de jambes, ça passe. Il y a une collègue dans ce monde. Bon, ça c'est en réalité nous toujours à vivre. Donc, Notre-Dame, qui ça le fait? Fin 2014, nous commençons à réfléchir sur qui ça pour faire vivre ensemble entre actionnaires, entre tout le monde. Qui pas même reconnaître, qui pas reconnaître et dit, nous ne pas contre l'autre forcément. Qui ça pour faire vivre ensemble? Nous j'étais souligné, nous prenons cabinet, avocat, cabinet notaire, et puis nous créer premier statut. Nous d'accord? Ok. Eh bien, nous prenons le ministère du commerce. Nous créer société. La société après naissance au ministère du commerce. Et puis après ça, nous sortons le moniteur. 12 novembre 2015, nous continuons de travailler sur l'aspect légal. C'est-à-dire règlement intérieur, que ce soit pour le conseil d'administration, que ce soit pour employés. Nous continuons de travailler sur ça pour faire nous vivre ensemble bien. Et puis l'activité de l'hôpital là a commencé en mai 2016. Il faut te chiter sur tout ça avant de commencer. Et qu'on y a, nous peut-être une centaine d'actionnaires. Donc, est-ce que jusqu'à présent, nous croyons, nous étions certains que nous sommes sur route qui pour mener une réussite dans vivre ensemble en Haïti? Bon, ça, c'est sans doute. Raison pour que ça ne va pas vivre ensemble, c'est le ou pas faire bailler Jean la loi et Jean les normes de business prévoient. C'est ça que fait. Moi-même, avec Dr. Via, nous sommes dans conseil d'administration, mais nous étudions, nous apprenons, nous ne suspendons pas à apprendre. Moi-même, moi dans notre business, chaque réunion, assemblée, mal apprendre, nous sommes qui réussissent. Mais en pile fois, paradigme, nous avons répété de monde qui ne connaît rien dans la palais. Mais nous-mêmes, nous prenons vraiment en pile temps, et jusqu'à présent, nous continuons à investir dans nous. Pour nous comprendre depuis de nez qui réussit. Nous ne sommes pas face à face, mais monsieur écrit le livre, nous avons des bagages sur YouTube. Nous continuons à apprendre qui ça, comment le marché, comment le conseil d'administration fonctionne, qui difficulté que tu as à ton conseil. Ce qui veut dire, j'en vois l'autre qui réussit, nous réussit, nous faisons tout ça que nous faisons et nous avons garanti 1000% que nous avons réussi. Mais ça veut dire. Nous croyons que, contrairement à ça, tout le monde qu'on a dit, l'hôpital privé pas rentable. Donc nous croyons que l'hôpital Notre-Dame S.A. fait différence. C'est encore son paradigme. Bah, nous tout cas dit là, est-ce que nous faisons études? Nous lui avons études où elle pas rentable? Ou bien nous-mêmes faisons observation de l'hôpital qui l'a baptisé de l'Oro, Port-au-Prince, depuis combien de temps? Gagnon qui pas même, qui privé, qui pas même son privé social. Mais il y a 30 ans. L'ouvre un hôpital, vire tourner. L'ouvre un cap récemment, l'ouvre un acaire. 30 ans, ça veut dire que ce n'est pas rentable, ça t'a privé, il faut le fermer. Ça veut dire l'hôpital rentable. L'hôpital, cabaye là. Le principe, ce n'est pas business là. Business, c'est principe. Et même, j'en trouve, ce n'est pas investissement. Pour mettre comme bout dehors, il y a des principes, des choses pour veiller. Il y a un compte que pour gagner, pour réussir business, pour réussir investissement, son science. Science veut dire, de pour reproduire même gens là bon même résultat. Que le journaliste, que les juste et monde qui a fait recherche, il dit mais pour qui ça un groupe de monde millionnaire et puis il a retourné dans la vie toute. Dans qui ça a été entrepreneur. Et yo rendu compte bon série de patterns de vous respecter, bon série de points clés de vous respecter. Bon, c'est le résultat capital. Et c'est ça la définition de science. L'entrepreneuriat, c'est une science.
Depuis pas écarté de principe qui c'est on garde des capacités de production pour toujours qu'à renouveler, toujours qu'à faire, toujours qu'à payer mais service nous dans bayo. Deux, aspect juridique, aspect légal, toute autorisation pour gagner, etc. Trois, comment communiquer, forme de communication, publicité, service à la clientèle. Quatre, système, procédure, qui ça bien doit faire, ça t'a bien doit faire. C'est pas émotion, parce que business pas émotion. Et puis, cinq, stratégie cash flow. Ça veut dire stratégie pour que revenu comme cap fait, moins dépenses d'opération, toujours positif. Pour que on leur casse pas les dividendes. Et puis, tout ça, nos carcasses. Carcasses, c'est leadership, connaissance, à l'apprendre son affaire, pas d'une pensée. Business pas game penser. C'est un fait qui s'allie. Gon moun qui connaît pas penser. Mande moun qui connaît le domaine moun pas connaît. Son équipe et mission pour ne pas jamais kante de li. Donc, de pour toujours songer tout point ça. Que c'est pour commencer business ou que c'est pour investir dans business ou poser question sur tout aspect ça. La réussite. Donc, en d'autres termes, l'hôpital Notre-Dame, c'est un business. Donc, c'est un business, donc ce qui fait que ça a comme activité, c'est vendre service santé. Ok, je pense que les téléspectateurs nous sont très clairs à ce niveau ça. Donc, vous même qui n'avez pas d'informations sur l'hôpital là. L'hôpital Notre-Dame, c'est à partir de là, vous avez un pile d'informations là pour vous gagner. Qui va le permettre qu'on ait qui gens pour aborder l'hôpital également. Notre-Dame, soit pour venir prendre service, soit pour investir. Mais si vous investir, j'ai une question, c'est pour la dernière question parce que le temps est presque fini dans mes nous. Et tout le monde toujours, alors, en plus le monde toujours voulait investir. D'ailleurs, on a une activité, on dit que tu as investi là, tu as fait investir là, tu as fait un petit coblan, oui. Mais, par la suite, ou on l'a gardé activité à certainement, mais il pas jamais investi vraiment. Il a envie investi, mais il pas jamais investi. Qui ça qui a cause un bagage comme ça fait? Est-ce que c'est pas parce que c'est le fait que nous toujours connaît que d'ailleurs nous gagne exemple. Nous gagne exemple que en pile monde mettait ensemble pour faire activité, vrai, il pas réussi. Et gagne monde tout qui d'accord t'est investi et puis qui dit bon son vieux choix me fait son mauvaise expérience comme ça perdu donc lorsque moun sa ta jwenn une opportunité pour l'investir dans un bagay qui sérieux li retracté donc qui ça bon ça c'est une bagay moi dit là qui peut être ka faire moun pa capable investir mais qui ça qui ka faire moun pa ka venir investir dans l'hôpital Notre-Dame bon encore une fois là on soulève un peu question de paradigme parce que là on pas levé la famille qui a investi. C'est là qu'on a commencé à arriver, où on a mis son bagage, elle a voulu marcher, et puis on a fait tout. Puis devant, pas un ami a tombé, pour la tomber, et puis on a dit, ah mon cher, je ne vais pas investir encore, parce que le monde n'a pas mis la tête ensemble, le monde n'est pas sérieux, tout le bagage. Je passe toute étape ça. Je fais business familial, je fais business avec petits amis, je fais des sociétés anonymes qui partent vraiment des procédures structurées. Et ça a commencé à marcher, mais pas qu'un bébé, parce que la structure n'est tellement pas scientifique. C'était émotion. Oh, moi, je voulais, pas qu'un bébé. Mais par contre, moi, je fais d'autres investissements, tant en Haïti qu'à l'étranger, avec des professionnels, des hommes qui ont fait business de façon professionnelle. Et encore une fois, semaine ça, investissement que j'ai fait, qui était presque de dérisoire, qui était 30 000 dollars haïtiens en 1991, dividende que je recevais sous lui, 150 000 dollars américains pour un an. Pendant que avant qu'on a recevoir 40, qu'on a long nez qui vient camper devant pour dire oh, investissement pas bon, je ne dois pas compter que ce soit pas là. Moi-même, vive de l'investissement. Salaire que je recevais dans l'activité, investissement me rapportait deux fois, trois fois plus par année.
Vous comprenez? Je le choix pour choisir qui travail je voulais faire. Je le choix pour me fixer pour qui prix je voulais travailler. Si vous avez besoin, je ne suis pas obligé de travailler. Je fais ça, je fais travail, c'est ça que je choisis mon travail dans les œuvres charitables. Je vais peut-être faire ça. Mais je paye tout. Donc, ce qui fait que. Alors, est-ce que nous avons dit voilà, que de réponse au moment, les gens qui veulent investir Notre-Dame n'ont pas besoin de venir investir à quel sauté. Mais qui ça peut le faire? Vous voulez venir investir? Hein? Information, c'est le pouvoir. Relez-nous, passez dans le bureau. Relez-nous. 37 31 13 48. 37 31 13 48. Ou bien passez, bonjour. Viens poser question. Viens où est service là bas? Viens où est-ce qu'on capable bail service là? Poser question sur ça. Mandez un aspect légal. Poser question sur ça toujours. Bon moi statut à lire. Gardez sous confortable dans ça vivant sans actionnaire là hier. Gardez qui je ne communique. Il est vrai qu'on a peut-être des spots dans la radio, la télé, mais il n'y a pas que ça. Comment nous recevons les clients, comment nous parlons les clients, est-ce que nous avons les clients après, est-ce que nous avons les clients. Posez des questions, gardez la procédure, comment commenter, comment sortir, comment employer entrer, comment employer sortir, comment établir une relation avec mairie, DGI et santé publique, notre société anonyme, ministère du commerce. Vite poser des questions, est-ce que nous avons. Comment nous faire relation à fournisseur? Parce que fournisseur a crédit de fond là pour 30 jours. Et va pour avis. Est-ce que nous avons pris la banque déjà ou pas? Vous posez la question comment cash flow aille? Maintenant, est-ce que vous avez leadership? Est-ce que vous avez une mission clairement? Est-ce que vous avez une équipe capteur ou bien Fox City? L'hôpital Notre-Dame dépend de vous. Et si vous avez un travail, vous avez un. Ou bien est-ce que vous avez une équipe capteur? Qui est-ce qui est là? Qui est-ce qui n'est pas là? Qui est là, qui n'est pas là, son équipe, son système. C'est là où on prend toutes les données, qu'on a fait conviction, ou pas dans le BNC, ou sur le compte hôpital Notre-Dame, on va acheter des actions à 6 000 gouttes, minimum 10, maximum 800, ou à le verser sur le compte hôpital Notre-Dame. Et puis, on a une fiche de dépôt pour passer l'administration pour le bon. Les suites nécessaires. Donc, par là, nous avons dit que, donc, un monde qui t'a intéressé à acheter action dans l'hôpital Notre-Dame, il n'a pas même besoin de poser un paquet de questions. Alors, l'un de poser un paquet de questions, ça veut dire pas voir avec lui-même, comme si vous êtes inquiet, vous êtes peu investi. Donc, nous avons dit que lui mettez le confortable, venez dans l'espace-là, il a besoin de monde pour informer, il a besoin de monde pour autant d'informations que vous voulez gagner, hein? Et puis après ça, lui mettez. Chita là, et puis il a investi et puis il met tant. Non. Il va gagner tant. Il n'a pas besoin d'investisseurs passifs. Il veut d'investisseurs actifs. Il faut la questionner en tout temps. Il faut la questionner résultat en tout temps. Et pas bon le cri jouer. Ce n'est pas le vin acheter action, mais il a obtenu un résultat. Il a obtenu l'autre qui a tiré. Non. Je vais vous parler pour téléspectateurs, téléspectatrices. Ça m'a parlé d'expérience. Opportunité hôpital Notre-Dame offre, j'en structuré tête. Son opportunité peut-être 10 ans plus tard, il n'y a pas besoin de encore. En Haïti, mon seul business nous connaît, qui gagne des investisseurs haïtiens là-dedans. Actionnariat, c'est 390 investisseurs qui ont. Que je sais, il y a 390 là. Quand il y a des gens qui ont acheté avant tout ça, ils ont gagné si ils ont acheté action dans l'entreprise. Niveau de risque que je débranle, c'est parce que moi-même, dès que j'ai acheté action, depuis avant, j'ai commencé à ouvrir la porte. Parce que je connais les gens qui ont fait ça. Je connais des gens qui ont du métier, c'est des gens qui ont structuré et montré. Et les rapporter. Les rapporter en pile. Pas seulement en pile, non. En pile, l'argent. Gon l'heure à priver, l'hôpital Notre-Dame,
mon choix qui a envie d'entrer. Je te offre, mais encore une fois, tu attends de l'autre monde qui n'a jamais investi dans rien. Ou bien que tu investis mal dans la fête des amis taille, sans papier. Quand on a venu dire, wow, je voulais entrer, mais actionnariat qui est là, qu'on a déjà près de 100 actionnaires. Ce qui veut dire peut-être, après, business, ça me connaît, que c'est le meilleur business sur le marché. Et qui est 390, ce que nous avons l'hôpital Notre-Dame Gonia, comme société anonyme, qui vient deuxième. Je ne suis pas sûr de ça, même presque quoi. Après business, ça me sort pas là. Par contre, business haïtien, qu'on a pas mis gros bigots qui gagne sans actionnaire. Bon, en fin de compte, vous êtes quoi que tout téléspectateur nous là, je n'ai plus l'information de l'hôpital Notre-Dame, surtout même qui t'a voulu investir, qui t'a voulu acheter action de l'hôpital Notre-Dame, docteur Viasot, bon, toutes les informations, donc c'est relé dans le numéro 27 31 13 48. Vous voyez WhatsApp. Si vous êtes intéressé, vous voulez comprendre plus, il y a Pédo, il y a pas accompagné, il y a fait présentation pour vous, pour qu'on plus. Bon, nous sommes avec aujourd'hui à la compte côté pour vous causer santé. Nous arrivons dans la bout d'émission, hein, donc il faut que nous allions. Mais juste avant, j'ai besoin de deux derniers mots dans mes docteurs. Au fait, dernier mot, c'est pour mesdames, pour femmes. Pour faire dernier, il y a spécial. 10 à 20% d'abé sur tout service qui est à l'hôpital. Depuis que vous venez, vous avez spécial. Parce que nous avons fait à un petit prix dépistage cancer colmatrice. C'est dans un petit pays qui mourit pour cancer colmatrice. Ça veut dire qu'on prévoit. Parce que vous avez prévoit, vous avez une maladie, vous avez prévoit, vous avez diagnostiqué le bonheur et puis vous faites ça pour faire le bonheur. Donc nous faisons dépistage. Et pour les gens qui ont les gens pré-cancéreux, ça veut dire qu'il y a une attaque cancer, on a tout offert aux cryothérapies. On veut toujours un petit peu. Un petit peu. Non, pas spécial, mais dans santé financière. Non, pas spécial, dans santé financière, là. Viens acheter action, on vend pour action, on continue de monter. Et le dernier moment que j'ai pour vous. Les téléspectateurs, nous avons suivi l'émission. Bon, vieux paradigme de Yoa. Oh, il faut qu'on travaille dur pour faire quoi? Mon cher, c'est menti. Pourquoi on est capable de faire quoi? Qu'est-ce que c'est le paradigme? Pourquoi on travaille dur pour le bon plus quoi? C'est quoi qui peut travailler dur pour? Bon, là, c'est vrai, on va passer l'étape pour travailler dur pour faire quoi? Même bon, garantie, bon, là. Lors de vitesse de croisière, lors commence à perdre l'énergie, ou bien, bah, on est, mais bon, là, c'est Kobo qui prend le travail. Tu vois, Kobo a fait une vente pendant chita la caillou, pendant qu'on fait activité. C'est ça, nous avons comme cadeau, comme spécial. Fait Kobo travail dur pour vous. Ok. Donc, déjà, nous parlons, nous présentons l'hôpital Notre-Dame, tant qu'il y a une opportunité. Il y a une opportunité en termes de service médical. Yes. Et une opportunité tout en termes de services financiers. Donc, il y a un côté où on a investi l'argent et en même temps, il y a un côté où on a pris soin sans pas obligé à le port au prince. Ou bien on n'a pas besoin d'aller dans l'autre pays. C'est ça même. Ok. Pas seulement soin de bonne qualité. Soin de bonne qualité. Donc, amis téléspectateurs, nous sommes avec vous aujourd'hui pour nous porter pour causer santé. Nous sommes avec nous, docteur Chilovia, nous sommes avec DJ avec nous qui t'a porté conseil pour nous sur santé financière. Et nous avons parlé bien spécifiquement sur paradigme et certains comportements, attitudes que nous avons par rapport avec paradigme. Ça. Donc, c'était moi-même, Joséphine, qui t'a voté l'émission ça pour vous. Donc, nous disons bonsoir, na recroiser encore. Bye bye. Sonia, Sonia. Ah! Je ne suis pas en forme. Pourquoi est-ce que je suis allé? Et si je suis là, je suis Saint-Domingue d'arriver. Port-au-Prince, Saint-Domingue. Où est-ce que tu es? Pour aller à l'hôpital, Henri. Machette tandem. Kounia, ou pas besoin ni Port-au-Prince, ni Saint-Domingue, ni même États-Unis pour résoudre le problème de la santé. L'hôpital Notre-Dame ouvre pour les bien grands berjo et la bail bon service pour toute qualité maladie. Que ce soit des cas de médecine interne, chirurgie,
pédiatrie, obstétrique et gynécologie, urologie. L'hôpital Notre-Dame, c'est plus bon référence là. Gain laboratoire médical, bloc opératoire, pharmacie, endoscopie digestive, ça claque dans Port-au-Prince. Eh bien, oui. Menem. Kounia wa pale. Mes amis, pour tout problème santé, allez Kounia dans l'hôpital Notre-Dame sur route nationale numéro 2 Bergeau, à côté lycée Claudie Muson. Ou bien, relayez-nous dans 3731-1348. Hôpital Notre-Dame SA, la santé à votre portée.